Ça va? Tu t'en rends compte un peu quand même? Ouais. J'ai hâte d'être là-haut. Comment te sens-tu, Cyril? Écoutez, pour l'instant, les impressions sont bonnes. Beaucoup de transferts, beaucoup de vols quand même. Hein. Non, ça a l'air cool. Briefing plutôt simple, efficace. Mm. Tu as peur quand même là ou non, toujours pas? Pas du tout. C'est dingue. J'ai limite envie de lui dire tout de suite, mec, envoie du gros, ouvre au dernier moment, fais-moi faire des flips. Toi, t'as peur d'être déçu et que ça soit trop calme? Alors on descend à 200 km/h. 200 km/h, c'est ce que je prends le matin en vélo. Oh le mec. Non, j'ai hâte, mais j'ai pas d'appréhension en fait. Oui, t'as pas peur. Ok. J'ai envie. Tu es excité. Depuis mes 18 ans, j'ai envie de sauter. J'en ai 35, 29 aujourd'hui. Et du coup, ça fait quelques années que j'attends ce moment. C'est trop cool. Enfin, bon. Tant mieux. Espérons que je tombe pas accro, hein. Je viens pas ici toutes les semaines avec un salaire. Ouais, non, on n'a pas les moyens pour que tu sautes tout le temps. Mais la formation est pas si excessive que ça, et sur un rapport. Petite blague, je vais pas m'attacher les cheveux. Il va faire comme ça. Je pense que t'es obligé quand même. Non, je vais mettre un élastique qui saute. Et sur le centre aussi, il y a une soufflerie pour apprendre à gérer. Ça s'appelle une soufflerie. Je sais pas, c'est une soufflerie. C'est un simulateur de chute libre. C'est ça. Dans une soufflerie. J'aimerais bien ça, ouais. Ouais, ça pourrait être marrant. Mais moi, ça m'a vraiment donné envie de ressauter. Voilà. Mais à la base, j'avais essayé de prendre pour nous deux. Ensemble, mais ça coûtait. Fallait vendre notre fille. Voilà, fallait vendre notre fille, donc on s'est dit non. Ouais, mais bon, j'espère un jour ressauter quand même. Je suis presque plus excitée que toi, je crois, parce que. Tu connais? Oui, je connais, du coup, voilà. T'es à l'aise, hein? Waouh! Moi qui me plains des êtres aidés à un baudrier en escalade. Ça te sert? C'est fait exprès, je pense. Mais là, il est mouillé.
Yes. Comment ça va? Ah, c'était l'enfer. Prochain, je pique. Prochain, tu piques. Trop bien. Alors, qu'est-ce que t'as préféré dans tout ça? Je pense que le moment où tu sautes de l'avion, où tu dis en fait ça c'est pas cohérent dans la tête, mais c'est là que c'est le meilleur. C'est là que c'est le meilleur. La prise de vitesse. Je t'emmène mec, c'était un pur saut. Super, super. Félicitations. Merci. Merci Nico. Merci à vous deux. Alors merci du coup, enchanté. Ouais, alors vous, je ouais, me présente, salut. C'est Nico. Je suis un petit peu en retard. Nico. Voilà, c'est ça. C'est comment ton prénom? Cyril. Eh ben enchanté. Enchanté. On a fait une merci. Présentation rapide, ouais, t'as vu ça. Un peu dans on le ciel. Ensemble. Ouais, ouais. Un trop petit bien, merci à quelqu'un ou c'était... Bah merci à Sandra, merci à ma femme, ouais. Ça défonce. La prochaine fois on saute ensemble, je te promets. C'est enregistré hein. Ah mais j'espère, ça veut dire ah, prochaine... mais bien sûr, évidemment, évidemment. Ciao Viking. Du coup, là le but c'est de faire en sorte qu'on ne revienne pas toutes les semaines. Non, c'est pas ça du tout le but. Le but c'est d'essayer de mettre un peu d'argent de côté pour passer le pack, le permis en une semaine. Et pour pouvoir venir sauter pour 30 balles après. Super. Non mais voilà, c'est un cadeau qui se transforme en... Ah mais bien évidemment, c'est obligatoire. Attends, t'es obligé de revenir, t'as envie de re-sauter tout de suite? Bah oui, non mais déjà moi, ça m'avait donné envie, mais bon c'est un budget après... Bah c'est 1000 balles. Ouais. Et ouais. Après... Après c'est pas cher pour sauter, mais bon. Après c'est pas cher et tu sautes partout. Et tu sautes tout seul. Où tu veux, quand tu veux. Bon, en tout cas, au moins juste cette expérience-là t'aura merci. Plu. C'était incroyable. Bon. Un cadeau rêvé depuis des années. Et... Tu l'auras fait. Et je l'aurais fait. Je super. L'aurais fait. Et c'est vraiment très bien. Tu très conseilles bien. Aux gens, c'est une sorte de thérapie ouais, très, après, très rapide. Après, oui, c'est un reste extrême. Le principe même de sauter d'un avion bah, en route, c'est surtout ça. C'est génial, c'est mortel. Mm. Faut pas faire ça, ton cerveau dit. Faut pas faire ça. Mais si, je veux. Et du coup, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon. Faut tenter des trucs après, faut faire des figures. Ouais, déjà, c'est bien de tenter des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ouais, c'est vrai. Cool. Moi, je vous le conseille en tout cas. Allez-y, super. Foncez. Bon, bah maintenant, on va récupérer les cacahuètes. À bientôt.